Ok, on est reparti. Donc il faut monter. Votre attention. La direction de la station a lancé une alerte. Tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement et attendre de nouvelles instructions. Ok. Bon, bah c'était un cauchemar. Hein. Bon, après, il fait quand même très mal, ça c'est sûr. Fait quasiment 150 de dégâts par coup en fait. C'est vrai que ça c'est un petit problème, j'avoue. J'avoue. C'est parti. Petite corde. Merde. Bienvenue. Puis-je vous aider? Quoi? Bon après-midi, Talos. N'oubliez pas que les procédures de sécurité de Transtar incluent une inspection hebdomadaire de votre uniforme. Rendez-vous au laboratoire technique pour un diagnostic. Oh. Y'a rien à faire, là. Bonjour, content de vous voir. Tu es un cauchemar. Ravi de vous revoir, Docteur Yu. Vénérez-moi. Je veux aller là-haut. Comment on va là-haut? Comment? Ah! Bonjour. Je sais pas ce que je fous là. Terminé. Je sais pas ce que je fous là, mais j'y suis. Nouvelle aptitude psy disponible. Putain, bah j'ai eu de la chance que ça soit pas un mimique ça. Le lot d'hier était un cataclysme sans nom. Germination lamentable. Cependant, le docteur Lin de la psychotronique... a eu la gentillesse de me fournir un échantillon de matériaux qui pourrait multiplier l'effet des phytohormones sur des plantes matures. Cela devrait causer une plus grande vitesse de croissance, un rendement amélioré et des plants plus sains que la normale. J'espère aussi que ça ne donnera pas un coup de merde. Il me faut juste l'autorisation d'utiliser le fabricateur avec ce plan. Ok. Je suis trop fort. Ok, reste cool. Ah! Fantôme. Il y a un fantôme. Il faudrait se téléporter en fait. Ah non, je voudrais... Non, mais on verra ça après.
Oh la vache. Ok, ça par contre ça va être chiant. Eh oh. Ingénieur. Ah voilà, je vais pouvoir faire l'engrais. Oh. Capitaine, vous avez... Je pensais... Vous ne commencez que dans 2 heures, mais j'ai besoin de vous tout de suite. Un problème ? Oui, et de taille. Passez d'abord par ma cabine. Apportez-moi le pistolet qui est dans mon coffre-fort. Je vous envoie le code. Très bien, capitaine. C'était pas du tout où on me disait, en fait. Hein, Malia ? On me disait que les conneries. Wouhou ! Pistolet d'or. Ah, on peut monter au-dessus. Okay. D'abord, on va en haut. D'abord, on monte. Toc, toc. Wow. Wow. C'est beau. Y a pas un succès ou un truc Easter egg ou un truc comme ça? Ah. Bien terminé. Nouvelle aptitude psy disponible. Ok, maintenant ils sont là. Tu t'introduisais en douce dans ma chambre quand... J'étais enfant, tu bidouillais mon ordinateur. Je me souviens du jour où tu as effacé mes sauvegardes de Galactic Conquistador. Je t'ai cassé le bras quand je m'en suis rendu compte. Je le regrette aujourd'hui. Mais je n'aime toujours pas que tu touches à mes affaires. Je t'ai cassé le bras. Ok, normal. Ouais, normal. Je sais pas, je peux pas expliquer, mais bon. C'est entre frères, je pense, normal. Faut attendre un an avant que Transar ne décide. Sans le plus long. Ah, c'est normal, ok, ça marche. Pas le. Le code derrière la photo. Ah, on va encore utiliser une grenade. Ou alors...
attacher une neurone. Parce que les grenades, elles sont simples. Ah putain, grenade. Qu'on monte de niveau. Je suis sûr qu'on pouvait ouvrir en fait avec le coffre, avec le l'ordi. Sympathique. Ok, bon, il y a rien d'autre ici. On se casse. Allez, on va s'amuser avec les fantômes. On va retourner sur le toit. Ce con. Ah, il est mort. Il est mort. Bon. Et où son pote? Où est son pote? Son pote. Ah. Combinaison endommagée. Putain, con de truc. Voilà. On va enlever la. La brûlure. Pour réparer. Oh putain, je crois que j'oublie. Ça. Prêtez. Les post-it, même bien cachés, ne sont pas un moyen sécurisé de vous souvenir du mot de passe de votre poste de travail. Ah! Wow. Ah, c'est vrai qu'on voyait à travers. C'est vrai qu'on voyait à travers, sympa ça.
Alors du coup, il faut créer l'engrais, c'est ça? Ou alors on a le chose. C'est trop le bordel cet inventaire. Comment je vais remonter moi? Merde. On va prendre le pistolet d'or. Bonjour. Fabricateur. Oh. J'étais pas venu là, tiens. On peut casser la vitre, non, pas casser la vitre. Vas-y, viens là. Allez, on pirate. Pas besoin de grenade. L'équipe, on s'en fout. Plan de fact, fabricateur encore. On l'a déjà. On était déjà allé là. Après, on ira à la porte. Un pistolet d'or, il est là, d'accord. Ça marche. Ça, le stockage A2. Ok. Ça recycle les neuromodes aussi, hein, je sais pas. On va éviter de le faire. Donc. Manque une carte. On va peut-être devoir aller à la recherche des cadavres en fait, au final. Te voir.
un nouveau mot de passe. Bon, il faudrait construire le machin là. Ah oui, ça je me rappelle que d'avoir lu ça là. Mais je savais pas pour les neuromodes. Ouais. Sauf que je vois pas où, trop où aller. C'est quand même super stylé ça. En fait, c'est un miroir. C'est quand même grave stylé ces trucs-là. Par contre, je veux juste aller voir un truc avant qu'on parte. Je retourne à la maison. Ah, c'est un projecteur là aussi. Cool. C'est quoi? Ah, c'est un miroir. Okay. Cool, sympa. J'aurais dû passer par là en fait. Mais de toute façon, je pense pas qu'il y ait genre un chemin. Tu fais un peu ce que tu veux quoi. J'ai pas glitché, j'ai rien glitché du tout. Hein. J'ai rien glitché du tout. Là aussi tu peux le détruire. Hein. Ah. Voilà. Faut tout détruire dans le jeu en fait. Je crois que je vais m'arrêter là. On continuera de lundi. Lundi sûrement. Sinon je vais jamais m'arrêter en fait. On ira construire le... l'engrais ou je sais pas trop quoi. À 4, est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Réserve de psy. On va attendre 5 points pour que je débloque le niveau 3. Pourquoi je peux pas prendre ça? Pourquoi c'est verrouillé?
J'en ai pas scanné assez. Ah, j'en ai peut-être pas scanné assez en fait. C'est tout. Oh là 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 là. Pour régénérer de la vie. Ça se fait automatiquement. Oups. On régénérera de la vie. C'est bien ça. Eh, c'est parti, on va se relancer dans Prey. Donc comme j'ai dit, on va essayer de se focaliser un peu plus sur les missions secondaires et essayer de tout faire. Voilà. Essayer de complètement tout faire. Je promets rien, mais je vais essayer de faire le plus possible. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire avant qu'on commence. Et ouais. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de missions en fait. En même temps, je les ai tous marqués en même temps. Donc à chaque fois, il y avait écrit zone avec multiples missions, etc. Donc c'était un peu le fouillis, c'était un peu le bordel. Mais là, on va essayer de faire une par une. Et on va surtout essayer de... de se concentrer sur la mission qui nous, qui va nous débloquer le fait de créer des neuromods de nouveau, parce qu'on en a créé tellement que apparemment apparemment on s'est fait bloquer. Voilà, on s'est fait bloquer. C'est parti. Alors le son devrait être bon, on verra. Allez, allez. Il y avait joué, merci. Alors attendez. Ok, ça c'est ça, ça c'est ça. Yes, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Je vais juste baisser un peu le son pour moi en tout cas, parce que sinon ça me tue les oreilles. Et on a nos pouvoirs. La dernière fois, on avait récupéré un autre pouvoir. C'était un passif. C'est ça. Régénération. Est-ce qu'il y a 10 points de santé immédiatement après avoir subi des dégâts? On va après débloquer celui-là. 25 points de santé après avoir subi des dégâts. En plus, on a scanné le cauchemar, donc c'est bon. On va essayer de prendre beaucoup de passifs. Créer un fantôme plus puissant qui combattra pour vous à partir d'un cadavre humain. Le type de fantôme est déterminé aléatoirement. Ok, cool. Ouais, ça aussi. On va peut-être faire ça aussi. Je vais peut-être être un nécromancien en fait. Ah, ça promet. Alors. Alors attendez. On va refaire ça dans l'ordre. Alors le pistolet d'or. Je crois que j'ai pas la carte. Trouver le pistolet d'or du capitaine Mark. Pistolet d'or, je crois qu'il faut aller là. Ouais. On va vite faire peut-être un tour dans le... Ah ouais, merde, attendez. Ok. Il faut que je me réhabitue, c'est F pour l'action, c'est pas E. On va peut-être refaire un tour dans la serre, vite fait. Parce que la dernière fois, je m'étais un peu perdu. Enfin, c'est grand et il y avait beaucoup de choses à faire. Donc on va essayer de se concentrer à un problème à la fois. Donc on va faire ça. Qu'est-ce que je kiffe ce jeu. Ah, comme je disais, maintenant je regrette de ne pas avoir vu un Prey 2 quoi. Allez, merci. Alors... c'était là-bas. Ça va pas... Ah, ce bruit. Ça va pas prendre longtemps. Donc là, on a un truc, il faut la carte. Je sais pas la carte. Storage room.
Par contre, qui a la carte? C'est ça la question. L'Occident. Imagine l'historien John Kitt. Non, ça c'est pas intéressant. Il y a le bureau. Il faudra aller au bureau. Il n'y a pas d'ordinateur là. Voilà, là. Il faut la carte d'accès. Je crois qu'on avait écouté un écrit. Non, pas un écrit. On n'a pas écouté un écrit, ça se dit pas déjà. On avait écouté une radio. Et ça nous disait que. Que quelqu'un devait récupérer en fait ce pistolet. Attendez, je fais un peu le vide. Et je pense qu'il va falloir trouver cette personne là. Email, journal audio, le pistolet d'or, c'était ça. De Jadamark à Marietta. Savez, c'est Marietta qui recose. Vous ne commencez que dans 2 heures, mais j'ai besoin de vous tout de suite. Un problème? Oui, et de taille. Passez d'abord par ma cabine. Apportez-moi le pistolet qui est dans mon coffre-fort. Je vous envoie le code. Très bien, capitaine. Marietta, ok. Alors par déduction, on va essayer de trouver un poste de sécurité. Voilà, poste de sécurité. Donc faut aller à l'étage 2. Donc on va aller là. Ok, je crois. Bonjour, est-ce ravi qu'on, de vous revoir, docteur. Est-ce qu'on peut descendre? Il y a des gens là ou pas? Il n'y a plus de gens, il n'y a plus personne. Ils sont partis. Ok. Mais de ma déduction, il faut trouver donc Marietta ou son cadavre. Et donc lui. Essayer de voir si elle a la clé sur elle, quoi. Non, peut-être. Attends, je me suis fatigué à sprinter, quoi. C'est super rare, ça. Voilà. Fatigué à sprinter, c'est énorme, ça. Première fois que ça m'arrive, je crois. Ok, on a des balles. Oh, faut se faire des balles. Super fertilisant. Ok, déjà on va faire ça. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire la dernière fois, mais je m'étais complètement perdu. Placer la formule croissant. D'abord, on va activer parce que je l'ai désactivé la carte. La carte, la clé, la mission. Placer la formule croissante. Ouais, c'est ça. Allez, active. Voilà. Faire des balles de fusil. Voilà, cartouche. Et après, en théorie, enfin, dans ma théorie, on va au poste de contrôle. Là, on cherche. Ah merde, on cherche la personne et on devrait trouver potentiellement le code ou la carte sur son cadavre. Je pense. Bon, on va placer le fertilisant déjà.
Putain, on fait des progrès. Distributeur d'engrais, donc. Alors. La formule de croissance est développée par un. Afin d'augmenter le rendement efficace. Oui, bon, c'est ça. Et il faut mettre ça aussi? Ou pas? Je sais pas. Non? Non. Ok. Récolter les fruits une fois arrivé à maturation. Merde. Faut attendre. Je crois qu'ils avaient dit 10 minutes, non? Le mec, il avait dit ouais que c'était 10 minutes, c'était pas énorme. Ok. Alors, suivant. On va essayer de... Non, ça c'est la serre. En fait, faudrait quoi? Aller au niveau moins, moins 2. Enfin, niveau 2 plutôt. Comment on va au niveau 2? Les escaliers. Comment on va à ce niveau 2? C'est la serre. Tout le monde est parti, donc on a sauvé les gens. Donc on a sauvé tout le monde. Ici. Complètement perdu dans cet endroit à chaque fois. Comment on y arrive? Ce serait aller par là-bas en fait. Ah, peut-être l'autre côté. Quartier de l'équipage. Non. Ah, je me perds ici. Ça va où là? Je me rappelle plus. Bête, on voit pas les fruits pousser. Quoi cette musique? Bonjour, content de vous voir. Là, il y a pas de terre. Ah, mais si, il est là le terminal, je suis bête. J'avais pas vu parce que normalement ils sont toujours dans ce coin-là. Désolé. Télécharger la carte. Je sais pas si je l'avais fait. Verrouiller. Okay. Verrouiller, c'est la porte ici. Alors. On avait dit. De Jada Marx à Marietta Kirkos. Marietta. Alors.
Alors, M. K. L. M. Marietta. Non, Mariana. Et c'est D. E. F. G. G. Ma. Non, c'est bien dans l'ordre alphabétique, on est d'accord. Mariascol. Mathias. Personne de fret. Normal. Enfin, si c'est la personne qu'on a sauvée. Non, je sais pas. Non. Marie. Ah, oh, c'est bizarre. C'est étrange. Hors de danger, stable. C'est étrange de pas la voir, elle. Ça, c'est les super fruits. Donc, peut-être que c'est Kyrkos. J'ai pas vu. Je regarde une dernière fois et... Ah, ça m'embête, ça. Dans ma logique, c'était... Ouais, c'était la solution, quoi. Là, il y a Mathias Kohl. Ouais, c'est Kyrkos. Sinon, on va chercher l'autre. Ok, bon, elle y est pas. C'est quoi le nom de l'autre? Jada Marx. Qu'est-ce qui se passe? Jada... Non. Bon. Ah, Alex, elle est au-dessus. De 10h à 14h. Veuillez consulter le programme hebdomadaire pour connaître le menu du jour. Est-ce qu'il y aura un autre moyen d'aller dans la... Dans le storage? Ça m'étonnerait. On va avoir à... C'est marrant, ça montre que Alex Yu est là.